En Algérie, les élections législatives ont consacré la victoire des partis au pouvoir. Selon des résultats encore provisoires, le Front de Libération Nationale, première formation du Parlement sortant, est sorti vainqueur d'une élection sanctionnée par une abstention de 77%. 30 mois après le soulèvement populaire du Irak, l'Assemblée nationale issue du scrutin du 12 juin va ressembler au Parlement de l'ère Bouteflika. Beaucoup de gens croyaient que le Front de Libération Nationale n'atteindrait pas ce chiffre. Beaucoup disaient que le parti n'avait plus d'influence et qu'aucune formation ne pouvait avoir la majorité au Parlement. Cependant, voici les résultats qui sont visibles pour tout le monde. Le FLN, le RND et les islamistes du mouvement de la Société pour la paix, ainsi que quelques indépendants, ont toujours soutenu Abdelaziz Bouteflika pendant plusieurs mandats. Et l'Assemblée nationale qui s'annonce pourrait revoir la même coalition aux commandes. Le principal parti islamiste, le MSP, s'est dit prêt mercredi à étudier toute proposition d'entrée au gouvernement.